Beau matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour le message de ce mardi 1er octobre 2024. Et voilà, nous commençons le mois d'octobre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, avant de commencer la petite pensée positive, avant de commencer la guidance intemporelle, eh bien, la petite philosophie de ce matin. Ce matin, 1er octobre, réponse, ne pas se préoccuper de ce qui arrivera demain, mais s'interroger davantage sur ce que sera notre attitude face à l'imprévu ou à l'adversité. Car ce qui est important n'est pas ce qui arrive, mais plutôt la réponse que nous apporterons aux événements qui viendront. Voilà pour la petite philosophie. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé la carte 23. Prends soin de ta journée, éclaire-la, donne-lui l'importance du moment présent. Côté finance, comme dans tous les domaines de votre vie, n'est-ce pas? Eh bien, ne vous enfermez pas dans les sacrifices afin de prévoir un avenir incertain. On vous invite à avancer sereinement en ayant l'épargne dans la main droite et les plaisirs dans celle de gauche. L'important, n'est-ce pas, c'est de garder l'équilibre. Voilà pour les finances. Professionnellement, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas ligoté contre votre gré à votre travail, n'est-ce pas? S'il vous dérange, si vous n'aimez plus ce que vous faites, eh bien, il vous appartient d'en chercher un autre qui vous correspond mieux, mais en attendant de le trouver, ne croyez-vous pas qu'il serait mieux, eh bien, de sourire, d'être positif? Je pense que c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, même s'il y a quelque chose qui vous dérange dans votre travail, prenez-le positivement en sachant que vous cherchez autre chose. Et si maintenant il y a quelque chose qui vous dérange dans ce travail, pourquoi ne pas aller voir vos supérieurs? Voilà le message professionnel. Côté sentimental, alors, oui, vous le savez, hein, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Hein. Il faut apprendre à découvrir et à aimer les multitudes nuances de gris qui en résultent. Vous savez, dans une histoire d'amour installée ou en devenir, on ne peut rien contrôler sur du long terme. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, c'est la personne de votre vie, vous n'en savez rien, vous ne savez pas. Moi, je me suis le dit, quand je me suis mariée, ah ben, c'est pour la vie. Ah ben, écoutez, non, je me suis séparée, donc on ne contrôle pas. C'est le moment pour vous de jouer de patience et de prendre conscience du moment présent. Soyez ici et maintenant et rendez cet instant le plus beau de la journée. Ne sachant pas, évidemment, n'est-ce pas, si la personne est là jusqu'à la fin de notre vie, il est important de jouir de la vie chaque jour, de un jour après l'autre. Aujourd'hui, eh bien, c'est une belle journée. Je vais faire en sorte qu'avec mon amoureux, eh bien, tout se passe bien. Je vais mettre de l'eau dans mon vin. N'oubliez pas que dans une relation, la communication est très importante. Il faut communiquer, il faut dialoguer. Si vous n'avez pas un dialogue, vous n'avez un monologue, comment voulez-vous que votre couple aille? Donc, aujourd'hui, eh bien,
Il faut un peu mettre de l'eau dans votre vin et faire en sorte de passer, eh bien, une belle journée aujourd'hui et puis demain. Demain est un autre jour et on fera peut-être la même chose demain. Je vous le souhaite en tous les cas que vous soyez heureux sentimentalement et voilà, que vous trouviez du bonheur. Alors, je vais terminer avec le côté spirituel. Bien long est encore votre chemin. Si vous ne pensez qu'à ce que vous aimeriez acquérir avec le temps, vous minimiserez, pardon, ce que vous êtes aujourd'hui. À quoi bon avancer si vous ignorez ce que vous avez déjà en vous? Allez chercher un peu dans le fond de vous-même ce que vous avez, quelles sont les choses. Vous avez l'amour, ça c'est la base. Eh bien, c'est un beau message, n'est-ce pas? Belle guidance, beau message de cet oracle. Je termine avec Ho'oponopono et aujourd'hui, je regarde la vie et sa perfection. À chaque instant, eh bien, la nature chante pour nous. Laissons-nous porter par sa beauté et sa perfection. Très beau message. Encore une fois, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain avec un nouveau message, une nouvelle guidance. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien et moi je vous embrasse et je vous dis à demain.